Marseille, Barcelone, Paris, Saint-Germain. We're into the knockout of the UEFA Champions League. And this is one of the games for which knockout football has come early. He's in. It's Neymar. Y acá viene Dembélé. Le quiere pegar el balón que vino elevado. Golazo. Gol. Milieu du terrain. Neymar veut combiner avec Di Maria. Neymar encore. Passé face à Carlos Pérez. Oh non, 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 non. C'est enfin le retour de la Ligue des Champions et d'autant plus quand c'est le Barça et le Paris Saint-Germain qui s'affrontent, il y a toujours de l'électricité dans l'air. Bien évidemment, cette saison, le Paris Saint-Germain est revanchard puisque d'autant plus ils ont été dernier finaliste de la Ligue des Champions. On se rappelle tous de cette remontada subie, cette humiliation limite subie par le Paris Saint-Germain qui a fait le plus grand bonheur des supporters barcelonais et au désarroi des supporters parisiens. Cette année, c'est un Paris Saint-Germain revanchard qu'on va trouver et orgueilleux puisqu'ils ont été derniers finalistes de la Ligue des Champions. Mais selon moi, le Paris Saint-Germain est très loin de ses standards habituels, surtout en Ligue 1, lorsqu'on sait qu'ils règnent un véritable patron en France. Ils ont déjà enregistré 5 défaites en Ligue 1. C'est beaucoup trop, selon moi, pour un championnat qui est aussi faible que la Ligue 1, selon moi. Parmi les 5 grands championnats, et je trouve encore plus inconcevable pour le Paris Saint-Germain qui règne en véritable maître en France d'avoir déjà perdu 5 matchs à ce stade de cette du championnat. Or, la saison dernière, à cette même journée-là, le Paris Saint-Germain comptait déjà 10 points de plus que cette saison. Mais du côté du FC Barcelone, tout va bien puisque malgré que le Barça n'est pas flamboyant cette saison, le Barça reste quand même deuxième de Liga et arrive à s'en sortir. Avec la dernière victoire contre Alavés, un score de 5-1 où on a eu un très beau jeu collectif. Encore une fois, il faut le dire. On pourra néanmoins compter sur notre fabuleux trio d'attaque qui reprend des couleurs avec un Griezmann qui a été impliqué sur les 3 buts contre Alavés, un Dembélé qui depuis son retour de blessure est explosif et encore un Lionel Messi qui est en grande confiance en ce moment qui a inscrit un doublé lors de la dernière sortie contre Alavés. Au milieu de terrain, certes, on a des joueurs qui commencent à se révéler à l'image de Pedri qui est fait toujours l'objet d'éloges par Ronald Koeman. Ce gamin n'a que 18 ans mais il est déjà un grand au milieu le terrain du côté du FC Barcelone. Aussi, Frankie de Jong, pour son aisance technique, on va avoir beaucoup besoin de son aisance technique quand cette équipe du trou, on n'aura pas de chance face au Paris Saint-Germain. Ça, il faut se l'avouer. La meilleure des attaques, c'est la défense, comme on le dit, et comme la meilleure défense, c'est l'attaque. Et voilà. Ça va dans les deux sens. Paris Saint-Germain, mais bien évidemment, le problème qui demeure encore aujourd'hui, c'est bien évidemment la défense dont les lacunes se sont encore senties lors du match contre Alavés. Mais pour ce match, je pense que le Barça ne doit pas trop s'en faire puisqu'on a enregistré des retours comme le retour de Serginho Dest qui nous avait tant manqué. Oui, il faut l'avouer, il nous avait tant manqué Serginho Dest. Et le probable retour de Araújo qui devrait peut-être être dans le groupe contre le Paris Saint-Germain, mais c'est un peu plus improbable pour Gérard Piqué. On a aussi le retour de Miralem Pjanic. Voilà, tous ces joueurs-là vont nous apporter pour battre cette équipe du Paris Saint-Germain et surtout pour la construction du jeu. Au niveau médical, du côté du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a aussi perdu leur maître à jouer. Il s'agit de Neymar. Alors, je les rappelle, depuis 4 saisons déjà que Neymar a été recruté, Neymar s'est blessé 3 fois. Et durant les 3 absences de Neymar en C1, le Paris Saint-Germain ne s'est jamais qualifié hormis la saison dernière. Donc ça va montrer toute la délicatesse et la fragilité du Paris Saint-Germain, d'autant plus qu'ils vont reposer tous leurs espoirs en un seul attaquant qui est Kylian Mbappé. Du côté du Paris Saint-Germain, il est aussi question de l'indisponibilité de Angel Di Maria. Mais au cas du sujet Neymar, j'ai fait un petit constat. Déjà 4 saisons que Neymar est à Paris et lors des grands matchs, Neymar se blesse toujours. Alors on pourrait dire que Neymar est de plus en plus fragilisé.
réalisé du haut déjà de ses 28-29 ans. Et oui, on se rappelle que du côté du Barça, Neymar n'avait pas tous ses pépins physiques. Mais depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il enregistre beaucoup de pépins physiques. Notamment, on pourrait voir un grand Neymar à l'entraînement, mais en dehors de l'entraînement, Neymar devient incontrôlable. Donc, il devrait se poser la question du côté du Paris Saint-Germain de revoir l'efficacité de Neymar et de revoir sa vie hygiénique et surtout le préserver lorsqu'on doit jouer de grands matchs. Alors, lors de ses huitièmes de finale aller contre le Paris Saint-Germain, l'objectif c'est clair du Barça est de prendre l'ascendant psychologique sur le Paris Saint-Germain pour se garantir la victoire au match retour. C'est-à-dire, si le Barça gagne sur son terrain, en sachant bien que Paris Saint-Germain a été traumatisé lors de la remontada, si un score de 6-1, on pourrait prendre déjà l'ascendant psychologique et d'autant plus, encore plus de confiance pour aller les battre chez eux en France. Maintenant, je vais vous donner mon 11 idéal pour affronter cette équipe du Paris Saint-Germain. Le Barça devrait évoluer en 4-3-3 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière gauche sera Jordi Alba qui est de retour après son petit congé lors du match contre Alaves. La charnière centrale, je serai plus pour un Langley à même si Araujo revient de blessure et est encore juste, je préfère avoir une bonne charnière centrale qu'une charnière centrale de merde pour que Mbappé nous la l'explose. Et ensuite, comme arrière droit, je voudrais un Sergio Dest. Tandis qu'au milieu de terrain, je voudrais un Pedri pour sa qualité technique et pour sa relation qu'il a avec Messi. Un Frankie de Jong pour son aisance technique. Et au milieu de terrain, comme milieu défensif, je voudrais plus un Miralem Pjanic par rapport à un Bousquet. Tandis qu'en attaque, on ne change pas le trio d'attaque. Je voudrais un Messi, Griezmann, Dembélé, car ces trois attaquants sont en grande forme. Sinon, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss!